des persos très fondistes, donc en plus on a quand même Darren et Snake qui sont déjà des persos assez complexes ouais, à leur manière. Très technique, ouais. Alors, donc Meridium, Algame, bon. Ça c'est bon, ça c'est bon. Oh punaise. Ça sera du beau spectacle. Pentox, j'ai tout bon. C'est bon, t'as les persos ? Ouais. Mais en fait, c'est parce qu'ils ont des noms différents. Je sais pas d'où tu les as chopés, mais c'est une dingue. Bah, moi je t'ai envoyé un dossier. Ils ont que skin en nom, mais de base, t'es censé avoir tous les dossiers pour chaque personnage. Non, mais c'est skin, Kara, tu vois. Et genre, en fait, ils ont un blast. Genre, par exemple, Kazuya, c'est démon. Demon. T'es sûr que c'est moi qui t'ai envoyé ça ? Ah, peut-être pas. Non, c'est pas moi, hein, parce que moi, les dossiers que j'ai, ça a rien à voir. Déjà, t'as tous les dossiers qui sont bien numérotés, et t'as bien les noms en français, donc tu peux même pas te tromper. Bah, et c'est... en plus, sur... ouais, c'est peut-être le truc que j'ai. Dans chaque dossier, t'as les artworks et les stock icons. Ok. Bah, ouais, non, mais peut-être que. Ouais, je sais pas, ça doit dater de l'année Trackup et du coup, les noms sont chelous. Ouais. Il va me falloir bon, écoute, un temps d'adaptation. Moi, je commence le top 8, je te laisse le cast de nouveau et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Du coup on est parti. Je crois qu'il allait cast avec moi Nunu triste. Snake contre Kazuya, Algame contre Meridion. C'est parti. Premier BO5 du loser bracket. Avec ouf, oh là, déjà ça commence. Chop, uppercut, uppercut, crochet, uppercut et bra le smash qui touche pas. Damn it, je l'ai déjà embouté mon son. Cause délire. Pas gueuler quand même bordel de merde. Allez, bon, c'est parti avec le Snake qui met un très bon down tilt. Il a pris la grenade, la petite chop, il le fait basculer, la roquette qui part dans d'autres cieux, mais la dash attack. Et puis up smash. Ouah, qui le met très très mal, hein, le Kazuya qui a du mal à revenir. Il est en rage. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il a réussi à inverser. Ouh, il a sauté sur un truc. Oh, il a sauté sur un truc, le pauvre. Il a sauté sur le C4. J'avais pas vu genre le truc clignoter. Du coup je savais pas si c'était grenade ou C4. Attention. Attention. Allez, ça revient à égalité là dessus Avec potentiellement un jeu de zoning, hein, du côté du joueur Snake. Ouais, c'est à peu près ça. Il va essayer de rentrer dedans. Malheureusement il se fait choper. Direct ça va combiner. Kazuya. Non, c'est bon. Je sais pas ce qu'il a fait. Il s'est mélangé un petit peu dans les touches, dans ses options. Le laser grâce à la grenade, j'ai jamais vu ça. GG. Mais derrière on rentre pas de coup et le Kazuya est en train de dérouler un petit peu son jeu. Allez, le petit C4 sur la plateforme qui est renvoyé par le shield. Et oui, le shield renvoie la greu légèrement. Il est remonté, mais derrière la chop. Bonne DI quand même du côté d'Algame. Mais c'est compliqué de revenir. J'ai l'impression qu'il est... Ouf. Oh lolo. Ouais, il a pris cher, hein. Il a pris très très cher. Et derrière encore une fois la chop qui va catapulter en dehors du ring notre cher Algame. On envoie les grenades. Le C4, il a l'air, il est toujours là. Ouais, il a sauté. C'est bon. La petite chop, la back throw derrière. Mais on va essayer de gérer le ledge. Malheureusement c'est un peu foiré. Le Kazuya va pouvoir revenir au milieu de l'arène, tranquille. Ouais, voilà, on va l'endormir avec cette petite chop. J'aime bien cette chop de Snake en vrai. Ah, mais ça suffira pas. Kazuya qui déroule son jeu et qui prend la première manche. Compliqué pour Algame là-dessus. On a un bon Kazuya. Bien abusé sous stéroïdes. Ça va être compliqué. Va falloir changer de strat, je pense. Va falloir changer de strat. J'aime bien le Darren. Est-ce qu'on peut revoir le Darren, s'il vous plaît? Est-ce qu'on veut revoir le Darren? Please. Apparemment ça switch alors arène ou Darren. Arène ou Darren, à votre avis?
Allez, les deux joueurs du coup sont. Voilà, ça se remet. Suspense. Oh, c'est pas Lutena. Palutena. Oh, Palutena qui s'appelle Palutena en plus. J'aime bien. 1-0 du coup pour Meridion. Toujours sur son 4 giga. Face à Algame qui a changé de personnage pour la Palutena. Personnage classico-classique. Derrière, on va essayer de gérer la distance, me semble-t-il. Le nerf qui pousse, deuxième nerf. Into upper raté. Ouf. Allez, choc. Et derrière, Kazuya qui va redérouler son jeu. Non. Bien joué du côté d'Alt. Mais derrière, il se prend ça. Il se fait tèche avec un coup de pied, frère. En mode dégage de moi. Ah, c'était drôle. Pardon, excusez-moi. Allez. Algame qui va tant bien que mal revenir là et qui va essayer de prendre le contrôle de Sledge. Oui, c'est bon. Peut-être. Ah, malheureusement, le back air qui a pas été suffisamment déployé. On a eu le temps de revenir du côté de Kazuya. Mais tranquille. Voilà, le smash qui rentre pas. Et derrière, ça va être encore à Meridion de dérouler. Oh, yo, yo. 105%. Il va falloir très rapidement l'éjecter. Peut-être sur ce back air. On va revenir tranquillement. Ouais, joli back air en mode. C'est le contrôle du ledge là qui va permettre peut-être à Algame. Le smash qui rentre pas. Dommage, mais bon, la back throw qui le recatapulte à l'extérieur. Ouais, c'est bon, le petit upper là-dessus qui va permettre du coup à Algame de sans trop prendre de pourcentage. De revenir à égalité avec son adversaire. Et derrière, en plus, c'est lui qui déroule avec 3 nerfs. Allez, hop, on se replace. Petit B. Voilà, c'est rentré dans le shield, dommage. Voilà, on se précipite peut-être un peu trop du côté de Meridion. Et du coup, on perd un petit peu l'avantage là-dessus. Mais c'est bon, c'est tranquille, non. Attention, ouais, le laser, bien vu. Mais le nerf direct, on recolle l'adversaire aussitôt. On perd pas de temps du côté d'Algame qui met énormément de pression sur son adversaire cette fois-ci. Là où il a subissé un peu plus partie précédente. C'est pas mal. Alors, est-ce que derrière il va pouvoir se dépatouiller de cette situation-là? Il est un peu coincé sur le ledge avec un adversaire qui est plutôt genre à attendre la moindre erreur. Et malheureusement, il a eu la moindre erreur. On va quand même revenir le laser derrière. Oh, joli, joli retour du côté d'Algame, malheureusement, qui pourra pas poursuivre. Et ça va être à Meridion avec son de prendre 7 stocks. Et réponse de Algame tout de suite. Les deux joueurs sont au coude à coude. Ouf, chop. Et derrière, on va forcément tenter de dérouler. Encore la chop. Combo qui rentre pas tout à fait bien, mais on sait s'adapter du côté de Meridion qui a déjà pris 99%. Sur cette phase, avec ce petit nerf, ce petit upper, ce petit nerf encore, ce petit back air. J'étais hésitant là-dessus, j'avais pas trop vu ce que c'était. Derrière, on va essayer de pas le ménager du coup. Son adversaire sur ce ledge, mais il est reparti de l'autre côté. Ah, c'est rentré dans la garde avec ce smash! Et Algame qui égalise. C'est pas passé loin. Hein. C'est pas passé loin. On a encore un très très beau match. Hein. Vraiment de très très bons joueurs. Des bons joueurs là sur ce tournoi. Franchement, ça fait plaisir de fou. Je vais pas vous mentir. J'aime bien quand. J'ai oublié le S à loser. Genre, il me fait peur sur ça, frère. Putain. Ah, je vous jure, genre vous y attendez pas, vous êtes à fond dans le truc, vous avez une voix grave. T'as oublié le S à loser. Genre t'es à fond dedans, imagine t'es à fond dans ton truc. T'es à fond dedans et il y a une voix grave qui te parle d'un coup. Dieu, c'est toi? Non, c'est la régie.
comme il a les vannes quelques secondes après, du coup, il... comme il a quelques vannes après, bah, du coup, il rigole après, genre deux secondes après la vanne. Ça crée un effet de décalage assez marrant. Du coup, je rigole. Pardon, je suis... On va essayer de surprendre. Algame contre Meridion. Troisième match. Troisième manche. C'est Tipar Gaspard. Je suis un peu malade, excusez-moi. Wow, ah, il y a un blème. Il y a un blème. Ah. Bon, tant pis. Il doit avoir un blème du côté de... Blème du côté de Meridion. C'est mauvais stage. Mauvais stage ou pas? Est-ce qu'on va me confirmer dans l'oreillette que c'est le mauvais stage? Ok, ça va être Kalos en fait. C'était pas censé être Battlefield. Voilà, c'est juste le mauvais stage. On va redémarrer tranquillement là. La petite... petite manche. Tout va bien. Tout va très très bien. Un partout. Algame. Meridion. Alors... Et Fony du coup qui doit attendre. Et Stylo 3 couleurs aussi qui en attente. Hein. On va avoir des beaux matchs hein, sur ces phases finales. Ça va être extrêmement sympathique. Et c'est parti. En espérant ce coup-ci que c'est le bon stage. Censé être Kalos. C'est ça. Hein. J'ai entendu un truc Pokémon, donc c'est soit Stadium, soit Kalos. Voilà, c'est Kalos. Let's go. Allez, on dirait que ça part sur le petit B. Ah, le back air qui touche. Là, on est parti un peu trop. La chope. Et derrière, on va dérouler forcément du côté de Meridion ce coup-ci. Se foire pas trop sur ce combo. Mais il a relâché un petit peu son adversaire qui va revenir. Ça tape dur, Palutena, en vrai. C'est une singerie. Elle cogne dur. Ça rentre dans la garde. Oh, joli. Du côté de Meridion qui s'est bien adapté là. Malheureusement, on va être trop d'input. Ça bourre un peu trop, j'ai l'impression. Ce qui permet avec cette backthrow à Algame de bien se placer. Ouh, joli. Ça a failli partir en couille. Ça a failli partir en couille pour Algame. Ouais, y a rien qui touche. Ok. Rien ne touche non plus de l'autre côté. Oh, ça rentre dans la garde, joli perfect shield. Derrière forcément on va se replacer un petit peu, attendre peut-être une erreur de son adversaire. On le colle un peu. Ah, cette petite chop qui fait très mal. Bien joué. On a pris la première stock du côté de Meridion, même si on est à 104%. On signe pour lui, encore une fois la chop qui va dérouler. Non. C'est Palutena qui va bien se replacer. On touchera pas Meridion pour le coup fatal. Baker. Le laser dans la garde et derrière. Bien joué. Bien, bon faire là-dessus. On a été plutôt patient là du côté d'Algame. C'est bien le Baker qui fait tomber Meridion. Attention, chop. Hyper. Allez, hop, bam, bam, boum. Ouf. Allez, joli stock là. Meridion qui prend clairement l'avantage dans cet affrontement. Mais attention, on peut peut-être revenir hein, du côté d'Algame. Du côté de sa Palutena qui a l'air plutôt solide. La backthrow, bien joué. On va attendre la remontée de son adversaire. On se replace sur le ledge backer encore. Ah, le tilt qui touche pas. Voilà, le sonner qui touche. Le upper qui touche. Le deuxième upper qui touche. On prend la stock. Bien joué, Algame qui est bien revenu. Oh, quel suspense! Il va falloir se replacer. Exactement ce que font les deux joueurs. Ils se replacent. On va attendre une faille. Peut-être là, du côté d'Algame, il y a peut-être quelque chose à négocier. Là-dessus, avec cette petite chop, ce petit downthrow, ça touchera pas. Allez, c'est chop. Et ce coup-ci, c'est au tour de Meridion de comboter. Mais ça va. Le combo qui est pas allé plus loin. Allez, on coince un petit peu cette Palutena sur le bord de l'arène. Mais elle revient avec un back air. Attention, on va
comboté du côté de Meridion qui va essayer de gérer ce ledge. Mais Algame qui revient, la chope derrière. On va revenir. On va revenir, le back air qui touche pas. Et derrière, attention, parce que Meridion là il a le match un petit peu en main avec ce peut-être up air de Algame. Le nerf qui touche pas, on se replace, le back air qui touche. On est de retour sur le stage. J'ai cru qu'il y avait une dinguerie qui s'était passée, mais c'est bon. Et derrière, le dash attack dans la garde et l'upercut qui expédie Algame en dehors de cette arène. 2-1 pour Meridion. J'espère que ça va bien pour vous. Et donc du coup, on est reparti. Alors, quel stage ce coup-ci ? Le set est pas mal, effectivement. On me dit en régie, très sympa le set. Ouais, il est vraiment, vraiment pas mal. Pas se mentir. Il y a du spectacle. Allez, ouf. Bon, bah, c'est une quatrième game là-dessus. Quatrième game pour Algame et Meridion. Balle de match pour Meridion. Le Kazuya triomphera-t-il jusqu'en loser final? On rappelle que c'est Meridion qui a expédié Babou en loser bracket avant de perdre contre Fony en demi-finale winner. Un match âprement disputé, excusez-moi, 3-2. Espérons que Stylo 3 couleurs et Fony ne s'ennuient pas trop. Ils sont en stand-by, les pauvres. On va attendre le résultat. Donc du coup, on est reparti. Balle de match potentiellement pour Meridion. On est déjà à 2 heures de tournoi. Immense merci à vous. Nous offrir vraiment du beau divertissement. Et derrière, c'est Algame qui a placé le premier coup, mais attention au choc de Meridion. Avec ce B, ouais, on a voulu se placer, ouais, on a esquivé la flash, mais le smash, pardon, d'un vieux. Et derrière, on va dérouler, ouf, et on va dérouler bien fort là du côté de Meridion qui est bien rentré dans sa potentielle victoire. Mais Algame qui va répondre aussitôt. Oh, on s'est loupé un peu sur la recovery malheureusement. Ce qui place du coup les deux joueurs à égalité. C'est un peu dommage de perdre un avantage pris si tôt. Mais c'est comme ça, c'est le jeu. Ça arrive. Ça lag un peu, j'ai l'impression. C'est bizarre. Alors il y a les nerfs qui s'enchaînent du coup. On va revenir, oh, joli. Il y a eu un petit jab, mais on n'a pas osé poursuivre, j'ai l'impression. Avec le petit backer là-dessus qui met très 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 bien. On gère le ledge, hein. Bonne gestion du ledge du côté d'Algame tout le long du set. C'est pas mal du tout. Malheureusement les backers qui ne connecteront pas. Oula, attention, ça peut être dangereux. Petit donner là-dessus, la back throw, très bien joué. Alors on va pouvoir remonter, me semble-t-il. Rechop, ça touche pas. C'est bien tenté en vrai. Voilà, normal, Gedok qui a bien trigger son adversaire là-dessus. Et on a repris un peu l'avantage. La chop, attention, le smash qui rentre bien du côté d'Algame. Se met très 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 bien. Allez, le nerf qui connecte, double nerf qui connecte, le upper qui connecte pas. Voilà,
ça, ce coup de pied là, ça connecte bien ça. Derrière, attention, le laser qui est esquivé. La chope aussi, derrière le back air qui connecte, attention le nerf qui connecte, on a repris encore un nerf, on a encore repris du back air, on a encore repris de tout en fait. Salade, tomate, oignon, tu veux reprendre du dessert aussi. Le fer qui connecte. Ouh, oh, ça attaque en même temps, c'est beau. C'est beau, mais Méridion il est salement en difficulté là. Il est salement en difficulté, se prend la chope, le fer. Ce qu'on a voulu faire, mais c'est un peu raté, dommage. Une occasion peut-être de finir son adversaire en volée. Ouh, oui, Méridion qui négocie quand même la dernière stock de son adversaire. Attention à ces smash. Ouf. Et Algame qui prend une game. On va arriver en game 5. Trop cool. Alors j'ai l'impression que le 9 il est un peu en catastrophe. Me semble-t-il. Ouais. Ouais, bien sûr. Je sais, je sais. Ok. Mais pour le moment... Ouais, ça arrive souvent. Ça peut. Ok, ça roule. Tu veux que je fasse... Tu veux que je fasse ça où? Ah, faut que je dise, hein. Ok. Donc du coup, Algame et Méridion, ouais, pensez à mettre votre... Bah même après, hein. Pensez à mettre votre téléphone en 4G ou en avion, si jamais vous êtes en Wi-Fi. Ça peut pomper de la co... Voilà, c'était le message de Pentox. Du Théo. Voilà. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Algame, du coup, qui a pris la game. Est-ce qu'on va changer de perso? Est-ce qu'on va... Est-ce qu'on va changer de map? Qu'est-ce qu'on fait? On rappelle qu'on est en demi-finale loser. Et qu'il reste du coup le gagnant de ce match ira affronter Stylo 3 Killer. Juste après. Et le gagnant du match entre Stylo 3 Couleurs et l'un de ces deux protagonistes va devoir affronter le Yongling de Fony en Grand Final. Allez, ça va commencer. Algame Méridion, bonne chance à vous. Partez. Allez. Ça s'observe un petit peu, sachez que ça fure le Bakir qui est rentré directement dans Perfect Shin. Bakir encore dans un Shin. Direct, ça claque le B. Oh, joli perfect shield derrière Méridion qui va pouvoir enchaîner peut-être avec son combo. Non, pas totalement. On a très vite fui du côté du joueur Palutena. On va se reprendre une chop, ça n'ira pas plus loin. Le nerf qui connecte, le fer, le nerf. Non, toujours pas. La petite dash attaque qui touche bien. On a esquivé, bien joué. Derrière, on va reprendre l'avantage peut-être. Ouais, avec cette série de back air malheureusement qui n'envoie pas forcément le 4 du bon côté. Les jabs qui sont rentrés directement dans la garde. Lui percute aussi. Petite chop, la petite down throw. Attention, ouais, ça connecte encore une fois, ça connecte du bout du bâton. Et derrière le joueur Palutena Algame qui prend une très bonne option, notamment avec ce back air encore une fois qui renvoie. Au niveau du ledge, le pauvre Méridion. Encore envoyé au niveau du ledge, le Dun Smash. Qui met bien. Ouf, attention à ce super cool. Ah, attention à cette TP aussi. C'est bon. Tout va bien.
Le nerf qui connecte encore. Ouais, ça déroule un petit peu du côté du joueur Palutena qui met à mal son adversaire. Il le rapproche petit à petit. Ouh, l'esquive mettait très très bien. Alors, ça rentre encore, on garde pas jusqu'au bout les nerfs adverses. Le Bakir qui va recatapulter en direction du bord du terrain. La backstrow derrière qui va permettre à Algame de prendre une bonne option. Il a été le chercher. Il va peut-être perdre l'avantage sur ce move un peu greedy. Mais non, tout va bien. Et oh, ça touche bien ça. Bien vu. Et derrière du coup 117% pour le Kazuya qui est déjà sur sa deuxième stock. Backstrow encore. Direction le into ledge. Et oh, joli Méridion. Touche un petit peu son adversaire qui attendait pas de sitôt, j'ai l'impression. Pas forcément préparé à son arrivée. La chope est derrière. Méridion qui va s'emparer d'une stock. Enfin, il est à 147% malheureusement. Il résiste non plus pour longtemps. Allez, Algame. N'hésitez pas à encourager dans le chat, hein, bien évidemment. Bienvenue à toi, Cruz. J'espère que tu vas bien. Il y a encore des nerfs qui connectent sans cesse. Il y a une série de nerfs avec cette chope qui va peut-être permettre à Méridion de comboter et peut-être de reprendre un petit peu la main sur cette game. Malheureusement, ce n'est pas encore suffisante. La petite esquive, bien vu. Ah, ça n'ira pas plus loin. Oula, attention à ce smash qui est parti un peu trop rapidement, un peu trop téléphoné. Et derrière, Algame qui va dérouler tout son jeu de distance pour maintenir son adversaire sur le ledge. Mais ça ne suffira pas. Méridion qui revient avec une bonne recovery. Attention, le smash qui est rentré dans la garde. Bakker du côté de Méridion qui se débarrassait un petit peu de son adversaire. Encore un Bakker. Et on est presque à 100%. Et il nous reste une stock. Attention. Mais ça peut vite partir hein, sur un Kazuya. La chope, Max Rowe. Surveillance du ledge, on va rester à mon avis. Non, on va aller partir le chercher. On va partir le chercher avec ce nerf. Et derrière, Méridion qui n'a pas su recovery correctement. J'ai l'impression que ouais, la co a un peu joué. 3-2 pour Algame. Fin du match. Victoire de Algame qui va se propulser du coup en loser final. Affronter Stylo 3 couleurs.